Ouais, donc, on remercie nos frères est-africains qui ont envoyé les troupes de l'EAC, mais on a été obligés de faire le constat qu'elles n'avaient pas rempli leur rôle. Et c'est pour ça qu'on va se séparer des troupes de l'EAC. Et bientôt vont arriver les troupes de la SADC. Quand exactement? Est-ce qu'il y a une date? Aux environs du 10 décembre. Il y aura déjà les premiers contingents qui vont venir et qui seront pourvus par trois pays. Donc avant le Malawi, scrutin. L'Afrique du Sud et la Tanzanie. Donc ouais. Avant le scrutin. Avant le scrutin, exactement. Ndagira ngo rero dukomoze ku makuru aturuka hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeje hagati y'uruhande rwa Leta ruri kumwe n'igisirikare FARDC, birumvikana n'igisirikare cy'igihugu, hari ingabo z'Abarundi, hakaba bacancuro b'abazungu. FDLR igizwe n'abajenosideri ndetse n'ababakomokaho bakuriye mu ngengabitekerezo ya jenoside, hakaza Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye. Abo bose bahanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Nkibutsa ko ubwo iyi ntambara n'ubundi yari igeze ahabi, M23 yenda kwigarurira umujyi wa Goma, nibwo ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba byateraniye hamwe maze bifata umwanzuro wo kohereza ingabo zijya gusubiza inyuma aba barwanyi. Kandi byarakozwe, banarekura ibice byose bari barafashe, kugeza ubwo rero izi ngabo zisubiriyeyo nabo bagasubira mu bice byabo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubutegetsi bwe nibo bagize uruhare mu gusubizayo cyangwa se mu guhagarika ubutumwa bw'izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, bavuga ko zitarashe uyu mutwe wa M23, maze bo bahitamo noneho guhamagaza ingabo z'umuryango w'ibihugu bya SADC. Ni ingabo icyakora cyo nazo zakomeje kugenda zanga kuza, kugeza ubwo kuri uyu mwanya none tubagezaho iyi nkuru. Byemejwe ko ku itariki 10 ingabo zizaba zaramaze kugera ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ku ikubitiro hari ibihugu bivugwa ko byatangiye kohereza izo ngabo birimo Afurika y'Epfo ndetse na Malawi. Tugiye kuba rero tubikomozaho muri iyi nkuru yacu, turebera hamwe iby'urwo rugendo rw'izo ngabo. Ni n'amakuru yemejwe n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane i Kinshasa. Aba rero nongeye kuguha ikaze, nanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe, ubundi amakuru yose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe. Ndibutsa ko rero nubwo izi ngabo zije, ibihugu byinshi bya SADC byo byanze kohereza ingabo, bikavuga ko wenda nibishoboka bizagenda bitanga ubufasha, ariko kohereza abasirikare ngo baze gusiga gatwe cyangwa se kumena amaraso yabo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ibihugu byinshi byo byagiye byikura ayo masezerano, bikavuga ko bitazohereza izo ngabo ngo zize gutikirira mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Bike muri byo byemeje kuzohereza zatangiye kuza, ndetse ku itariki 10 Ukuboza izo ngabo zikazaba zageze ku rugamba. Ni umuvugizi wa perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yatangaje ko bitarenze tariki ya 10 Ukuboza 2023 ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC ngo zizaba zageze muri iki gihugu guhangana na M23. Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yahaye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, the East African Community Regional Force, inshingano zo kurasa M23, maze izi ngabo zirabyanga. Ibyo rero bikaba byaratumye zihabwa tariki ya 8 Ukuboza. Ni tariki ya 8 Ukuboza 2023, zikaba rero zitakiri ku butaka bw'iki gihugu, zikaba zishinjwa rero kuba zaranze kurasa M23. Nubwo rero atari izo nshingano zinjiranye mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu mwaka ushize 2022. Izi ngabo za EAC zatangiye kuzinga utwangushye kuva tariki ya 3 Ukuboza zibimburiwe n'iza Kenya. Ni nyuma y'uko muri Gicurasi 2023 Perezida Tshisekedi Tshilombo yemeranyije na SADC ko ingabo zayo zizajya kumufasha gutsinsura abarwanyi ba M23. Umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Eric Nyindu yabwiye France 24 dukesha iyi nkuru ko mu rugamba rwo guhangana na M23 vuba aha cyane ingabo za SADC zizaba zageze muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kubibafashamo imbere y'uko amatora aba. Yagize ati vuba aha cyane rwose hagiye kuza ingabo za SADC bitarenze tariki ya 10 Ukuboza 2023, hari abasirikare ba mbere bazaba baje baturutse mu bihugu bitandukanye bya SADC birimo nka Malawi na Afurika y'Epfo, bazaba rwose baje mbere y'amatora. Nyindu
yahakanye ibyuko hari izindi ngabo zizafatanya na FRDC mu kurwanya M23 avuga ko ari ingabo za leta gusa. Perezida Tshisekedi azifashisha mu guhangana na M23 ni mu gihe nyamara bivugwa ko hari ingabo z'u Burundi abarwanyi b'imitwe itandukanye barimo na FDLR yasize iheku y'u Rwanda muri genocide yakorewe abatutsi Wazarindo n'abacancuro barenga igihumbi nk'uko byanemejwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko Tshisekedi nawe yaramaze igihe abyigamba. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 décembre 2023. Et nous sommes venus vous donner l'état des lieux de ce qui se passe sur l'axe Masisi. Comme vous le savez, et le mouvement a communiqué là-dessus, la coalition gouvernementale qui est composée de FRDC, de FDLR, de FNDB, donc Force nationale pour la défense du Burundi, et encore une fois de plus, les contingents burundais qui travaillent au compte de l'Est African Community Region Forces. Ils sont entrés dans la danse. Avec aussi les mercenaires blancs et avec tous les milices réservistes dont vous connaissez. Ils sont venus attaquer simultanément nos positions sur l'axe Masisi. Comme vous le savez, l'armée révolutionnaire congolaise, le M23, dans son rôle, dans sa vertu salvatrice, nous les avons pourchassés. Et lors de la bataille de Kabati et Ruvunda, ils ont fui. Et pendant leur fuite, ils sont allés vers Mouchak, comme vous le savez. De là, ils ont commencé à appliquer la politique de la terre brûlée. Ils ont incendié des villages. Ils ont ravagé tout ce qui appartenait à une ethnie, notamment l'ethnie Tutsi. Les bétails, n'en parlons même pas. Comme vous le savez, comme ils le font d'habitude, ils ont violé, ils ont tué. Cet axe du mal que nous avons à tout moment, ce sont des gens inconscients, des extrémistes. Ils ont prouvé à Mouchak. Ils ont tout fait. Et de là, l'armée révolutionnaire congolaise ne pouvait pas croiser les bras. Puisque comme vous le savez, la non-assistance à personne en danger en soi, c'est un problème, c'est un délit. Nous sommes descendus vite. Et nous avons fait le travail ric-rac. Et de là, ils ont pris la peau de l'escampette encore. Ils sont allés vers Karouba. Ils ont abandonné beaucoup d'armes et de munitions que nous avons récupérées. Beaucoup de choses que nous avons récupérées, et vous allez les voir dans les jours à venir. Et nous avons capturé beaucoup de prisonniers de guerre. Donc, ces gens-là qui ont commis des massacres, ils ont fui, mais nous avons encore pris beaucoup d'appareils de communication qu'ils ont abandonnés. Et nous savons maintenant qu'est-ce qui se passe avec cette taxe des mal, cette coalition. Il y a maintenant des preuves tangibles que vous allez voir dans les jours à venir. Nous avons beaucoup d'appareils de communication, beaucoup. Alors, ces criminels qui ont commis des massacres, partout où ils passent, surtout à Mouchak, nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les poursuivre. Nous allons les poursuivre pour faire taire leurs âmes là où ils sont. Et là où ils iront, nous allons les poursuivre. Puisque nous ne pouvons pas admettre et permettre qu'on puisse tuer nos mamans, qu'on puisse tuer donc, des Congolais à cause de leur faciès et de leur morphologie. Puisque notre élite, ce que nous recherchons, nous les 1-23, c'est la cohésion nationale. Que tout le monde vive en paix et en harmonie dans son pays. Car il n'y a pas un Congolais qui est supérieur à l'autre. Jamais. Nous tous, nous sommes des Congolais. Donc, comme ils ont engagé ces étrangers, ces mercenaires, ces Burundais, pour tuer les Congolais dans leur sol, nous allons les poursuivre partout où ils seront. Et faire taire leurs armes, d'où ces armes proviendront, nous y arriverons pour faire taire ces armes. Je vous remercie.